en question. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Court is now in session. Today, the chamber will hear the testimony of an expert. Aujourd'hui, la chambre entendra la déposition to TCE de l'expert 97. De TCE 97. And the greffier Sacklewood T could report the attendance Je of à la parties and de individuals to today's sur la proceedings. Des parties et autres personnes à l'audience. Sacklewood T, Mr. President, for Monsieur today's proceedings, aujourd'hui, all parties to discuss are present, sont présentes. Except Pekong, the national co-lawyers for civil parties, is absent due to his personal business. Il est absent pour raison personnelle. And Van Peu is a designated counsel for a été désigné Pekong. Pour remplacer Maître Pekong. As for Nguyen Chi, he is Quant present Nguyen, in the holding cell downstairs. Dans la cellule temporaire du sous-sol, il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffe. And the expert to be testified. L'expert de TCE 97 confirms through her a confirmé she has no qu'à sa connaissance, by blood, elle n'avait aucun lien de parenté par alliance ou par le sang, ni avec un des accusés, ni avec l'une quelconque des parties civiles reconnues en tant que telle dans ce dossier. L'expert prêtera serment and there is dans no le prétoire. Il n'y a pas de témoin de réserve pour thank aujourd'hui. You, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. President, le Président, thank you. Merci. The chamber will now decide on the la Chambre doit se prononcer Nguyen sur la demande présentée the chamber par Nguyen Chi. A waiver from Nguyen Chi to be present celui-ci in a fait the courtroom dated 9 February 2015. Which states that due to his health, that is a headache, backache, and cannot sit for long, présent dans le prétoire, le document est daté du 9 février. L'accusé indique qu'il souffre de maux de dos et de tête, qu'il ne peut rester longtemps assis, et il manifeste le souhait d'assister à distance à l'audience d'aujourd'hui, renonçant ainsi à son droit d'être présent dans le prétoire. L'avocat de l'accusé lui a fait savoir qu'en renonçant à être présent dans le prétoire, l'accusé ne renonçait nullement à son droit à un procès équitable ni à son droit de contester des éléments de preuve produits devant la Chambre. La Chambre est aussi saisie d'un rapport médical établi par le médecin traitant et daté du 9 février 2015. Le médecin indique que l'état de santé de Nguyen Chi remains the same, that he cannot demeure sit inchangé, for long à savoir que l'intéressé ne peut rester longtemps assis à cause de maux de dos. Le médecin recommande que l'accusé soit autorisé à suivre les débats remotely, à distance, that is from a holding cell depuis downstairs. La cellule temporaire du sous-sol. Based on this information and pursuant to internal rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber agrees and grants Nguyen Chi précède, to follow the proceedings à la demande de Nguyen remotely celui-ci from pourra a holding cell downstairs suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. By audiovisual means for today's proceedings. Et ce, pour toute la journée d'aujourd'hui. And as Nguyen Chi waives his presence in this courtroom, the AV unit is instructed to link the proceedings so that Nguyen Chi can follow it from a holding cell downstairs, and that applies for today's proceedings. Depuis cet endroit-là. Court officer, please invite the expert Elizabeth Veuillez Becker into faire entrer the dans courtroom. Le prétoire l'experte Elizabeth Becker.
President, good morning, Madame Expert. What is your Bonjour, name? Madame l'experte. Comment vous appelez-vous? Elizabeth Becker. Réponse, Elizabeth Becker. Question. Thank you. Merci. And before we continue, I'd like to advise you a little Avant bit on the use of the microphone. Vous donner certaines consignes Please sur l'emploi du micro. You see the red Veuillez light attendre on the que le voyant the rouge microphone du micro s'allume. Otherwise, your voice will not go dans le cas through contraire, the system. Votre voix ne And passera pas most dans importantly, le système you need to audiovisuel. Go through the system so that your response Or, may be interpreted ceci est essentiel in through pour que the vos propos puissent être interprétés dans les différentes langues officielles du tribunal. And so please make a slight pause between question and answer session. Veuillez and we thank you for that. Attendre un instant après and avoir Madame, entendu when were you born? La fin de la question avant de répondre. Où êtes-vous né? October 28, 1947. Réponse, 28 octobre 1947. And what is your nationality? Question, quelle United est votre nationalité? States of America. Je suis américaine. United States of America. États-Unis d'Amérique. Question. And where is your permanent address? Où résidez-vous? Washington, D.C. Réponse. Washington, D.C. And Merci. What is your Quelle est votre occupation? Profession? Journalist and author. Réponse. Je suis journaliste et écrivain. Question. Thank you. And what is Quelle est your votre religion? I'm a Christian. Réponse. Je suis chrétienne. Question. Thank you. The greffier made an oral report this morning that to your best ability, Le greffe you are not related by blood or by law through any aucun other true accused, that par is Nunji and Kirsten Paul, not through any Paul, of the Israel party in this case. Is this information correct? Est-ce exact? Yes. Réponse, oui. Question. Thank you. And Madame Elizabeth Becker, pursuant to Rule 31.2 of the Internal Rules Selon of the ECCC, la règle 31.2 du règlement intérieur, as an expert, en tant qu'experte, you have to take an oath il vous appartient de prêter before you provide your testimony, avant de déposer, or you can make an affirmation based on your religion. Do you agree vous to that? Éventuellement yes. prêter serment selon vos croyances. L'acceptez-vous? And Réponse oui. The international greffier, Mr. Roger, could you Roger, please lead the process of swearing in of this expert? À la prestation de serment Becker, de l'expert. Please repeat after me. Le greffe, Madame Becker, veuillez répéter. Je jure solennellement que je vais assister honestly, la chambre de première instance de façon honnête, confidentielle et au mieux de mes capacités. L'experte. I solemnly swear je jure that I will solennellement assist que je vais assister la chambre de première instance honestly, de façon honnête, confidentielle et au mieux de mes capacités. Merci. Le président. Merci. Thank you. Madame Elizabeth Becker. And Ms. Becker, the trial chamber and the parties are grateful La chambre to et les you parties vous sont reconnaissants for making this long journey to assist d'avoir fait us ce long voyage for the pour truth. Venir contribuer à la which manifestation de la vérité concernant des questions and for essentielles Cambodian pour le Cambodge et pour le peuple cambodgien. I know that your testimony has been Je several times postponed. Que votre déposition a été reportée à plusieurs reprises. And the trial chamber really appreciates your availability. La chambre vous est reconnaissante pour votre disponibilité.
Miss Baker, can you tell Madame us what education Baker, did you follow? pourriez-vous And when did you start your career as a nous journalist? expliquer l'instruction Was it que vous your avez reçue? occupation during the Democratic À quel moment Cambodia avez-vous period? commencé votre carrière de journaliste? Est-ce que la profession de journaliste était la vôtre à l'époque du Cambodge I'm démocratique? A graduate of Réponse. The University of Washington J'ai un in diplôme Seattle. De l'Université du Washington, My degree Seattle, is in South Asian Studies. Études I du Sud-Est asiatique. The Hindi Sanstan in Agra, India for language J'ai également training. Étudié en I went Inde. To graduate school at the University Je suis allé I came to à l'Université du Washington. At Je suis the end venu of au Cambodge à la fin de l'année 72 et je suis devenu journaliste. Tout d'abord pour la Forest Economic Review et ensuite pour le Washington Post. J'ai couvert la guerre jusqu'à la fin 74. Je suis rentré aux États-Unis, à Washington, D.C., où j'étais correspondant du Washington Post. Ensuite, je suis venu en décembre 78 au Cambodge démocratique et là, je l'ai fait en tant que correspondante du Washington Post. Question. Thank you. And do you know how to read, write, or speak a Khmer language? Parlez-vous le Khmer? L'écrivez-vous? Le lisez-vous? I did Réponse. Speak Khmer, but Dans that le passé, was years ago. Je parlais le Khmer. I was never C'était able il y a to. De I nombreuses I was années. Never able to read. Et je n'ai jamais lu le Khmer. Question. Thank you. And Can you describe Pourriez-vous us your experience nous décrire as votre a journalist? Expérience de journaliste? And can you tell us how many books Combien you have de livres written avez-vous on écrit Cambodia? Sur le Cambodge? Réponse. I've been a daily journalist for 40 years. Pendant 40 ans, j'ai été First journaliste with the Washington au quotidien, Post, d'abord pour le Washington Post en tant que correspondante. Then with Ensuite, National Public Radio in pour the la States, radio publique nationale aux États-Unis, là, j'ai été la responsable du service étranger chargé de tous les correspondants en poste dans le monde entier. Ensuite, je suis retourné dans un journal et j'ai été correspondante pour le New York Times. C'était ma dernière fonction. J'ai cessé d'être une journaliste au quotidien il y a 6 ans. J'ai écrit principalement un grand livre sur le Cambodge intitulé « Les larmes du Cambodge ». Il a été traduit en khmer et en français. Et j'ai écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Bopana » et qui n'est disponible qu'ici, à Phnom Penh, au Cambodge. Question. Thank you. And concerning your book, When the Concernant world votre was livre, over, When the World Was Over, when was it published for the first quand time? A-t-il été publié pour la première what fois? Research have you made, and what Quelle methods recherche have you used, avez-vous effectué? And on which sources Quelle méthode avez-vous utilisé? Did you et sur quelles sources vous êtes-vous on? Appuyé? Réponse. The book was first published Ce livre a été in publié pour la première 1986, fois en 1986 by Simon & Schuster. Par the sources Simon were & Schuster. Multiple. Il y a eu de nombreuses sources. As I said, I was a correspondent Comme je l'ai dit, j'ai été correspondante pendant la guerre. Je me suis donc research. Beaucoup appuyée sur des recherches primaires. The reporting and work I did during the war, beginning Le travail que j'avais fait pendant la guerre en tant que reporter, en commençant en janvier 73, aussi de nombreux entretiens avec les principaux protagonistes, ainsi qu'avec des gens ordinaires. Then back in Washington, ainsi que sur des documents. I did, Ensuite, à Washington, j'ai effectué d'autres entretiens, y compris aux Nations Unies. C'est là que j'ai, pour la première fois, rencontré et interviewé des figures politiques du Cambodge démocratique, essentiellement Yang Sary et Thun Prasit. Ensuite, je me suis maintenu à jour grâce aux informations émanant des réfugiés à Washington. Il y a aussi le FIBIS, qui était les services de traduction du gouvernement. Ainsi, je pouvais me tenir au courant de ce qui passait à la radio du Cambodge démocratique.
Comme je l'ai dit, j'allais chaque année aux Nations Unies, quand la délégation du Cambodge démocratique y arrivait, j'écoutais ce qu'ils avaient à dire et je ainsi demandais à visiter le Cambodge. Vous le savez, je suis venu au Cambodge en décembre 1978 et j'y suis resté deux semaines. Par la suite, j'ai commencé à travailler sérieusement sur mon livre, j'ai étoffé mes recherches antérieures avec davantage d'entretiens, je suis revenu au Cambodge pour lire et pour compulser les archives qui sont devenues disponibles après l'invasion vietnamienne. J'ai aussi interviewé des diplomates étrangers qui avaient coopéré avec le Cambodge ainsi que des diplomates étrangers qui travaillaient ici. Thank you. Merci. Have you used the material provided by other researchers? Can you identify them and indicate the nature of this material, if any? Well, certainly, there was a handful of people who were working on the same subject. So, for instance, Ben Kiernan at Yale. Exemple, Ben Kiernan. Stephen Heder. The two people who had the most original research at the beginning. Les deux personnes qui avaient fait les recherches dès le début. Other journalists. D'autres journalistes également. We all tended to cooperate and work together because it was such a difficult story. Nous avions tous le souci de collaborer car il s'agissait d'un sujet difficile. Je pense également à l'ONU. On the border, I certainly talked to many. À la frontière, going back to the border to find out what the refugees said. I had a lot of help from the United Nations researchers. Beaucoup de réfugiés, de chercheurs de l'ONU. Those are the major. David Hawk, David Chandler. There's a dozen people who shared a lot. Une douzaine de personnes avec lesquelles j'ai collaboré. Nous mettions tout en commun. Thank you. Monsieur le Président, merci. And do you remember the most significant interviews you conducted personally during the period of Democratic Cambodia or immediately just after it? Yes, it was unforgettable. Réponse oui, ça je ne peux pas l'oublier. While I was in Democratic Cambodia, alors que j'étais au Cambodia démocratique, Yeng Sary, j'ai interviewé Yeng Sary and Pol Pot. Et Pol Pot. Immediately afterwards, again, I interviewed Yeng Sary. Juste après, j'ai à nouveau interviewé Yeng Sary. Yeng Tirit at et Yeng Tirit également. Those longuement. I would say were the most significant. Voilà les entretiens les plus importants que j'ai en tête. Thank you. Le président, merci. And the chamber would like to make the following remarks on certain issues. La chambre aimerait maintenant the chamber has already noted in its decision, that is paragraph 18 of document E-215, that Elizabeth Becker has been principally sought by the parties due to her personal knowledge of facts relevant to the Democratic Cambodia period. Either through her presence in Cambodia during this period or through the interviews she conducted with leaders or cadres. Parties are therefore reminded that while Elizabeth Becker has been called as an expert, she may also be questioned on facts within her knowledge relevant to the current case. En lien avec parties are also reminded that in order to facilitate the testimony of the expert Elizabeth Becker, the trial chamber has informed them that it considers the following topics as the most relevant for case 002/02.
The December 1978 trip in Democratic Cambodia of Elizabeth Becker with Richard Dudman and Malcolm Caldwell. The interviews she conducted with Yin Sari, Ying Thiret, Pol Pot, Thun Prasit, other Khmer Rouge cadres, and Cambodian refugees, if any. CPK policies concerning the treatment of specific groups, the relationships between Cambodia Democratic and Vietnam, and the allegations of mass violations of human rights against Democratic Cambodia, and the international context in which these allegations were made. These topics will form the framework of its questioning, and parties are encouraged to focus on them as well. I leave the floor now to the judges of the bench who may want to put questions to these experts if you wish to do so. Judge Lavergne, you have the floor. Le juge Lavergne a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you, Mr. President. Good morning, Mrs. Becker. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Nous avons en principe la matinée. I will put a number of questions to you. I have many questions. I will go through those questions this morning. I hope we will que vous avez été correspondante pour plusieurs journaux américains ici au Cambodge. You said that you were a correspondent for several newspapers here in Cambodia up to 1974. You also told us that you came to Cambodia in December 1978. Vous avez également indiqué que vous avez eu des contacts. You also said that you had contacts with officials of Democratic Cambodia, particularly when these officials went to New York to the United Nations. Can you tell us more specifically who you met, from when, and how often? Every year at the General Assembly, chaque année à l'Assemblée générale à New York, which is usually in October, en général l'Assemblée générale a lieu en octobre. And, chaque année, je me suis rendue à New York. Either go to a press conference j'ai assisté or a reception à des conférences de presse, à des réceptions, talk to Ying Sari. Pour parler à Ying Sari. Normally, I believe Thun Prasit and Kiet Chun étaient en général avec lui. But the majority of the conversation would be with Ying Sari. Mais la plupart du temps, je me suis entretenue uniquement avec Ying Sari. The first time I met him was not long after the Maya Ghez incident. La première fois que je l'ai rencontré, c'était juste après l'incident de Maya Ghez. When the American ship was captured lorsque un navire des États-Unis a été capturé au large des côtes de Thaïlande. The United States responded with the bombing. So that was the first time in Ying Sari at that moment gave the first Cambodian DK, Democratic Cambodia response, voilà, which I then wrote up for the Washington Post. Du Cambodia démocratique et ce dont j'ai parlé au the next Washington year Post. And the year after l'année were suivante et l'année generally d'après, he was less forthcoming. There was the next year, I believe, was a question of what happened to Cambodian intellectuals who returned to Cambodia and were never heard of again. And several families were there asking about their missing relatives. Ont posé des questions par rapport aux personnes qui avaient the year after, disparu. If I remember correctly, et si je me souviens bien, the whole issue of relations with Vietnam. Est ensuite venue la question des relations avec le Vietnam. I was in a et au cours d'une réception, alors que je discutais avec Ying Sari Nguyen Co Thoc, et Nguyen Co Thoc, the Vietnamese minister of foreign qui était le affairs ministre des Affaires étrangères du Vietnam à l'époque. Other, ces deux personnes se démontraient très cordiales, mais Ying Sari parlait de différentes questions par la suite. 1978 et en 1978, he
invited the United Nations Secretary General Il a invité Kurt le secrétaire général de l'ONU à se rendre au Cambodge. The Secretary General declined. Kurt Waldé. And then he invited me. Et Richard Dudman and Malcolm Caldwell. Il a invité Richard Dudman et Malcolm Caldwell ainsi que moi-même également. Et c'est là que nous sommes allés au Cambodge démocratique. That's the only time Democratic Cambodia officials were in the United States. Mais c'est la seule fois, je crois, que les dirigeants du Cambodge démocratique étaient aux États-Unis. Merci. Donc, thank you. Pour résumer, so, vous avez to dit que vous summarize avez what you said that you met M. essentially Yang Mr. Yeng Sari in New York, and possibly Mr. Chun Prasit, Mr. Ket Chun. Est-ce que vous souvenez Do you remember other members of the delegation of Democratic Cambodia? Do you remember, for example, someone called Chan Yoran or another Cambodian by the name of Ing Sokun? Ing Sokum. Definitely Chan Yoran. Yes, Chan Yoran, effectivement. At least twice, and I'm sorry for Il était au moins deux fois, et pardonnez-moi d'avoir oublié son nom. Par contre, je ne me souviens pas du deuxième nom que vous avez cité. Deuxième nom de Monsieur The second name is Mr. Ing Sokum. Maybe he was not a diplomat, but he was a Cambodian who was living in the United States. And then he returned to Democratic Cambodia. And his name was found on the name on the list of the S21 prisoners. Does that ring a bell? Yes, Hang Sukum. Yes, he was the American Hang whose Sukum. Family I mentioned earlier. Excuse me. Excusez-moi, je croyais l'avoir mentionné. His wife was there. Sa femme était présente. Remember, I said one of the families, and I remember the wife was at one of the receptions. Sa femme avait participé à l'une des réceptions. And I had met him before Et he je went. Je l'avais rencontré avant qu'il ne reparte. I met him in Washington. Je crois que l'avoir rencontré à Washington. Through one of the, I think the Quaker groups. Peut-être one of the que c'était par le biais du groupe des Quakers. A reunification of, personnes qui luttaient pour la réunification, so pour l'unité du Cambodge après la guerre. After he had gone back to Cambodia and there was no communication Par la suite, with him, il est rentré au Cambodge et il n'y a plus eu de communication so, yes, right. entre sa femme et lui. Et c'est alors que j'ai rencontré sa femme. Effectivement, je m'en souviens. Et est-ce que vous étiez au courant de ce qu'un certain nombre de Cambodgiens living in the United States had returned to Democratic Cambodia? Were you aware of that? Vous aviez des préoccupations concernant ces concerned about these people? Oh yes, the first sort of red flag that came up. Une première alerte, dirais-je, was The total lack of communication. C'était qu'il n'y avait plus de communication And du tout. Some of the Cambodians who had returned from Paris had had talked about it in a press conference. And I remember de reading, Paris, on avait parlé au cours d'une conférence de presse. The press releases on that. Et moi, j'essayais de so lire les communiqués de presse. When the Americans, Cambodians from the United States. Left and then never came back. No Beaucoup word. De Cambodgiens there des was, États-Unis no sont repartis au Cambodge yes. et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Donc c'était effectivement très préoccupant, en particulier pour leurs proches, leur famille. Donc vous nous avez so dit que you told M. us that Mr. Yeng Sari très régulièrement came very often every year to New York. To the United Nations. And you said that the first time was right after the Mayaguez incident, that is to say, in September 1975. This was the 29th General Assembly session of the. And back then, people were still speaking about the GRUNC, the Royal Government of National Union of Cambodia, and you know in which circumstances the members of the GRUNC were called to represent Cambodia at the United Nations.
How was that transition made from the Lonnol members to Grunk members and then to members of Democratic Kampuchea? Do you know how things were organized and when that transition was made? I'm afraid not. J'ai peur que non. The last year of the Khmer Republic, la dernière année de then la Prince Sihanouk, le prince tried Sihanouk to convince the UN to vote to les Nations seat Unies. Grunk rather than Khmer Republic. That failed. And the only convaincre les Nations Unies members de donner of the delegation Grunk, who next were seated as Democratic Kampuchea, who I had any interaction with, was the then foreign, the new foreign minister, Yang Sari. I'm afraid I do not remember des Affaires étrangères, Yang Sari, if du Kampuchea démocratique, represented qui Grunk est venu représenter le pays à l'ONU. Donc je ne me souviens pas du représentant du Grunk. Alors, nous venons de parler so de we have just spoken about the role of King Sihanouk. Did you have the opportunity of meeting him during that period, in particular in October 1975? No, he was not at the UN. Non, il n'était pas and, à l'ONU. I did not meet him until January 1979. Je ne l'ai pas rencontré avant janvier 79 lorsqu'il est revenu à l'ONU. I saw him was at the UN January 1979. Janvier 79. Alors, j'ai personnellement dressé une liste des visites de Yang Sari of Yang Sari's visits to the UN, and I also noted that Prince Norodom Sihanouk traveled to New York on 6 October 1975. And we know that he also spoke with Kurt Waldheim back then. So the first time that Yang Sari traveled to New York was on 5 September 1975. He traveled again to New York the following year, 5 October 1976. On 11 October 1977, Yang Sari is going to make a speech again before the UN General Assembly, and you wrote, by the way, an article which appeared in the Washington Post on 22 October 1977, and it's called Wait Until the Movie. So this was in reference to the broadcasting of propaganda films. Each time that Yang Sari traveled to New York, apparently there were certain that came with a bit of propaganda material to explain the situation. So I'm also going to read out an excerpt from this document in which you state, or in any case you say that, or Yang Sari is expected to say that the poor image of Democratic Kampuchea is linked to poor information. And Yang Sari, in his address before the UN, explains that in reality, Democratic Kampuchea is moving ahead swiftly under the clairvoyant leadership of the CPK. Its extraordinary successes also involve the water issues, which will be a very important matter for Democratic Kampuchea, and he provides figures. He speaks about the building of reservoirs that can contain in total 2 billion cubic meters of water. He also speaks about building hundreds of kilometers of canals allowing to irrigate 250,000 hectares of rice paddies. He speaks about the building of 8 dams, allowing for the irrigation of 130,000 hectares. He also says that the literacy rate illiteracy rate has been brought down to only 10%, and he specifies that the country is training revolutionary doctors who have a deep love for the people and a high spirit of abnegation. And he also says
out of 100 families, there is one hospital, three practitioners, a medicine factory, and three pharmacists. And he also says that malaria has been practically eradicated. The annual average annual ratio is 312 kilos of rice per person, and that the production was in excess, and it allowed Cambodians to export several thousands of tons of rice, and that Democratic Kampuchea is a country with no longer has any crime, prostitution, and banditry. Do you remember this kind of address? Do you remember this kind of information that Yeng Sary provided? Yes. Oui. I think I pretty much wrote down exactly what he said. J'ai écrit ce que vous avez dit. And in that context, then that was what he would later say I would see when I went to the country. Et c'est ce qu'il a, c'est bien ce que, qui a été dit dans ce contexte, et c'est ce qu'il a dit par rapport à ce pays, ce qu'il attendait du pays. Alors pour le pour qu'on puisse retenir des notes in order for us de cette audience, je précise que ce document porte le numéro For the hearing, so document is E3/1596. That's the index of the document. The French ERN is 00 61 77 92 92 99 in the Khmer ERN 00 29 10 25 to 28. Et en anglais, in English, 3 × 0 3 000 798 10 à 16 to 16. Alors, so je voudrais également que now I would like you to tell me if you remember if the tone of the speech has changed in 1978, the character. You said at earlier on that the problems with Vietnam had become a bit more prominent. Is that the case? Did the tone of his speech has changed? I can't say that I remember the speech exactly, je ne pourrais pas but the conversation vous dire que je me rappelle exactement du discours. Par and contre, I believe it's reflected in the article et I wrote. Je pense que dans l'article que j'ai écrit, on peut le voir assez fidèlement, mais je me souviens plus exactement du discours. I believe the article even had a photograph of Mr. Yeng Sary and Mr. Nguyen Co Thoc talking to each other. Ainsi que Yeng Sary qui parlait. The problem had elevated to the point where le problème était it was now part of the Sino-Soviet cela faisait split. Partie it du was, schisme sino-soviétique. C'était of une imminent inquiétude. Warfare. And many delegations were concerned about it, not just the Democratic Kampuchea and Vietnam. À cette même époque, and il at y that avait, very same aussi un certain nombre de period, there were a certain number of complaints regarding massive violations of human rights, complaints that were filed before the Human Rights Commission of the United Nations. Can you tell us a little bit more about that? Well, I did not go to Geneva, but the United States submitted one of mais the largest files. Les États-Unis ont présenté l'un des dossiers les plus étoffés. Testimony collected along il y avait the border des témoignages with Thailand. Qui avaient été recueillis le long de la frontière the avec la Thaïlande. Was Charles Twining, je me souviens que l'auteur en était Charles Twining, c'est un diplomate américain. The United States was not the only les country that filed it, but it was the présenté ce dossier. It was a parallel concern that une inquiétude tout aussi the question of human rights with more and more evidence par rapport à la question to back up des the accusation
qui was rising in Geneva les as the threat of war was building que between Vietnam and Cambodia, and it was one of those perfect storms. Donc 1978, so, c'est là où se situe when you were invited to visit Democratic Cambodia. À votre avis, quelles étaient les raisons so why do you think you vous avez were invited avec, with Mr. Dudman and Mr. Caldwell? The delegation would have preferred la délégation aurait préféré UN General Secretary, the Secretary General Kurt Waldheim, when he refused, and he said he refused on the advice of the Soviet Union, sur conseil de l'Union soviétique. Then after that we were invited. And I just received invités. A cable like that j'ai at the newsroom. Un télégramme, aussi simplement que cela, au journal. After talking to them, my presumption j'ai was discuté avec eux. Et après cette conversation, suddenly they je wanted foreign witnesses que ce qu'ils voulaient, c'était and not just friendly delegations. Témoins étrangers, pas you can extrapolate des délégations qui, that, étaient as I did, on that perhaps it was as witnesses and perhaps it was to postpone témoins, an imminent invasion. Before I left tard, for Phnom Penh, I visited American officials and foreign officials in Washington with expertise, and they were baffled. Ils ont été they were unsure if ils the, a war would happen. Generally, they thought that if the Vietnamese did fight back, that it would, they wouldn't go past si the east bank, the eastern bank of the Mekong. Cela ne dépasserait pas la rive I remember one official said. This will be a piece of cake. M'a dit que ce serait they'll treat partie, you very well. Que ce serait du gâteau, que j'allais and, être très bien traité. Enjoy yourself. Et on m'a même dit, but it was, amusez-vous bien, profitez. It was mixed signals, very mixed signals. Mais les sentiments étaient partagés, je dois le dire. À ce moment-là, vous saviez déjà and back then, que vous you already knew that Monsieur you were going Dudman to travel with Mr. Dudman and Caldwell? Or when did you know that, you would, that they would accompany you on this trip? I learned about Mr. Dudman when he came to the Washington Post and tried Dudman to talk my newspaper into using his articles instead of mine. il a essayé de convaincre mon journal d'utiliser and son we learned article about plutôt Mr. que le Caldwell et nous avons when we all que met in Beijing. Lorsque nous l'avons rencontré à the only way Beijing. You could get into Cambodia at that time was through Beijing. There was no other way. À l'époque, so c'était de passer we all met par there and la Chine. Flew down il n'y avait together. Pas d'autre façon de procéder. C'est pourquoi nous I believe that's the case. I do not remember. Knowing about Mr. Caldwell until I got to Beijing. Je ne savais pas qu'il allait venir avant d'arriver à Pékin. Et est-ce que vous aviez did you avant know that il before y avait you, there had been a certain number of foreign delegations, governmental or non-governmental, that had visited Democratic Kampuchea? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? And what can you tell us about that? Yes, I certainly knew and I oui, read all of their reports. J'ai d'ailleurs lu leur rapport. The broadcasting service that I mentioned les earlier, FIBUS, was very good plutôt, at translating FIBUS them. They, the Democratic Cambodia Radio always broadcast and I followed it. So that by the time I went, I knew which cooperatives they always brought donc, the delegations to, place, you know, what the sort of standard arrivée, scenario would be. It was part of my travel. Preparations was to go over those friendly delegation meetings. Who would see Pol Pot? Who would see Yang Sirui? There was a, you know, once you study them, there is a certain logic to what they did. And the only delegation that included sort of journalists like us was from Yugoslavia, and that was the most eye-opening of all the reports.
une délégation de Yougoslavie. C'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur les rapports. Alors, nous avons effectivement aussi indeed, on the case file, we have reports of numerous visits, and I'm going to mention only a few. In particular, there is a visit that apparently was very important, which was the visit of a Chinese leader, Cheng Yongwei, or known as Cheng Yongyi, who was the leader who created the production brigades in Dazai commune. And this visit occurred in December 1977. Peu de temps après, me semble-t-il, a little que Pol Pot while after Pol Pot's visit to China. Nous avons and there is also a report of a visit of Japanese delegations, French delegations, Belgian, Danish. Vous avez and parlé you also de spoke la about the visit that was d'une délégation de conducted in March 1978 by a delegation of Yugoslav journalists. Can you kind of tell us a bit more about this? You said that this is a visit that was an eye-opener. Why? Because the others en fait, were friendly delegations in the sense les that autres they, étaient des délégations sympathisantes. They came back with reports that were not critical at all. Qui n'étaient pas du tout critiques. They came back with reports that more or less mimicked, reflected qui what reflétaient they were told, ou reprenaient en gros ce qu'on without leur avait asking dit, questions sans, that would have been s'interroger, know, considered sans in politics or whatever. Sans poser des questions qui auraient été considérées comme antipolitiques. They brought real journalists with them. Les Yougoslaves and avaient apporté the avec film eux and the des photographs as well as the report films, was the first one where you could see for instance, child labor in the factories. Par exemple, le travail des enfants dans les usines. They had a critical eye, ils so you could see between, you could hear between the lines what was going on. Qui and de voir et de lire entre les lignes et de comprendre I just ce remember passé. Saying, aha, this is starting to make pensé, more sense. Ah, là, but I think you have a couple of the articles in your case, do you not? Mais il me semble que dans votre dossier, vous avez un certain nombre de ces articles, n'est-ce pas? Alors, ce que nous avons au dossier, what we have on the case file are not necessarily articles. These they are telegrams, in fact. And these telegrams are quite interesting. There are two of them in particular, documents E3/1112 and E3/1113. And the ERNs are the following. Pour le premier, first, Khmer ERN 00020 French ERN 00081 00029 31 to 31, and English 00043 48 61 to 63. Pour le deuxième, and with regard to the second telegram, il s'agit this en Khmer des in ERN, Khmer is ERN 3x0 20 20 965 to 967. En français, French 00 62 30 09 12 to 12, en anglais, and English 00 43 48 64 64 to 66. So what's interesting is the fact that these telegrams are addressed to a certain number of recipients, in particular men. Uncle, corrects interpreter. Om Nunchia, Bongkovan, Bongvon, au bureau, to the office, and to the records. So, of course, the parties may discuss the meaning of these titles. Om apparently refers to Pol Pot. Om Nun refers to Nunchia. Om Van refers to Yangsari. Ongvon
to Von Vet, and the office is Office 870. And signataire de ce télégramme, the person signing this telegram is a certain Kang, que l'on trouvera which, un peu plus tard dans un autre document. Whose name will appear again in another document. Ce qui est intéressant, so what's interesting que, to note here is that l'auteur du télégramme, the person who wrote this telegram obviously accompanied the delegation during its trip. And he provides the detail of the questions that were asked by the journalists, and he explains that when certain questions were not answered, and he states that the conversation, when he avoided the questions deliberately, and he also mentions the Cambodia's refusal to negotiate with Vietnam, and also he mentions quantities of rice that were exported, and he also provides comments on the way that the journalists react, as well as the members of the delegation, and he also says that the journalists would like the CPK to fall within a revisionist line by focusing on material priorities. Voilà. Donc, so, vous avez you découvert ces documents qui vous ont été transmis discovered these documents that were given to you to prepare for your testimony. Do you have any comments, therefore, to make with relation to these documents? Well, that was the first time I'd seen them. En fait, c'est la première fois que je les voyais. It reminded me a bit of some of the documents that ça m'a rappelé certains des documents qui ont été rédigés après mon voyage. When I said the trip was eye-opening to me j'ai dit at the que time, ce voyage m'avait ouvert les yeux à l'époque. One of the things that most brought this home was the film. Je crois que ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment les films qui ont été faits. C'était la première fois que je voyais des films qui avaient été faits par une délégation là-bas. Shown on American television ça a été projeté CBS, sur CBS, à la télévision américaine, et j'ai parlé aux personnes qui avaient monté ce film, et c'était vraiment ces photos, ce film, qui m'ont le plus marqué, le plus impressionné. President, Council Coupe, le président, you can Maître Coupe, have the floor. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Good morning. Very small comment. No Monsieur le Président, all, bonjour. Ce n'est pas une objection, c'est tout simplement un commentaire. Mais lorsque vous avez lu le télégramme, j'ai constaté, en tout cas en version anglaise, que l'on a parlé de Om, Om Non et Frère Van et Frère Vorn, et pas Oncle. C'est important, les termes frères et les termes oncle ne sont pas les mêmes. Alors je ne sais pas ce qu'il en est de la version française, mais en tout cas, dans la traduction en anglais, on a frère Van et frère Vorn. C'est parfaitement ce que j'ai dit. That's exactly what I said. Non, mais j'ai bien lu oncle Noon. I read uncle Noon and brother Van. C'est bien. That is what I read. Donc, d'autres délégations so continuaient à other venir, delegations le Kampuchea kept on coming to visit Democratic Kampuchea, in particular delegations from the Marxist-Leninist Communist Party of Australia, as well as a delegation from the Communist-Leninist Marxist Party of the United States. This delegation was led by a certain Dan Bernstein. Vous avez entendu parler de Dan Bernstein? Did you meet Daniel Bernstein? Have you ever heard of Daniel Bernstein? And what can you tell us about him? I didn't meet him until
Je ne l'ai pas rencontré. In the 80s, I believe. En fait, je ne l'ai rencontré que dans les années 80. By then, he had stopped being a Marxist-Leninist, et à cette époque, il n'était déjà plus marxiste-léniniste. Rédiger des articles d'ordre financier. What I knew about him was, and the party was very small. Et sur le parti, en fin de compte, c'était très peu. It was part, as you pointed out, it was assigned to those of us watching that Democratic Kampuchea was opening up to have an American delegation. D'effectuer le suivi, on constatait qu'il y avait une ouverture. Ça faisait partie de cette ouverture, et avoir accueillir une délégation américaine, c'était considéré comme un signe d'ouverture du pays. En l'occurrence, une délégation américaine, an American delegation, a friendly American delegation, because Mr. Dan Bernstein at the time wrote a lot of articles for a newspaper, an American newspaper. He also wrote reports on his visits, his trips. And in one of the sentences he wrote, he said, not a single person who really visited Kampuchea comes back telling stories of forced labor, famine, genocide. Independently of their political perspectives, all visitors to Democratic Kampuchea have been very impressed by the enthusiasm, the determination, and the spirit of hard work of the Kampuchea people. A country that has been devastated by war. E3, so we are talking of document E3/707, and the ERN in French is as follows: S0074-25-56. Il y a également donc une délégation du Parti communiste marxiste-léniniste de Suède qui s'est rendu sur place, et notamment un de ses membres s'appelait Gunnar Bergström. On a donc un livre qui a écrit bien après cette visite. Written by someone, there was a curtain communication present. That book is titled Living Hell, Democratic Kampuchea. C'est un document E3, 2415. 2415. Mr. President, there are cuts in the source speech from Judge Lavin. Interpreters cannot hear what he is saying. Sites vont être ceux que vous allez également visiter. Could you repeat the question? Pourriez-vous répéter la question? Je disais que ce qui était peut-être remarquable. What I was saying was that what was perhaps remarkable in all the reports I have referred to, c'est de noter que certains sites font toujours partie du circuit. Some sites du are always visited during those trips. Sites, and among those sites, we have certain sites that were also part of your tour within Democratic Kampuchea. Did you notice that, and can you tell us what sites appear to be most appropriate for visits by international delegations? Yes, in fact, in my book, I point out every single visit that I knew another one had visited. And site dont je savais qu'il avait déjà été visité par d'autres. En général, the people who are presented as common les gens qui étaient présents étaient des paysans ordinaires. Les gens qui étaient présents, c'était souvent des cadres de haut niveau. C'était une sorte de village à la Potemkin. Et je l'ai écrit dans mon livre. À chaud, je ne peux pas vous préciser. Portez-vous à mon livre, Préemias, je pense, par exemple. If you notice the Dan Bernstein, chez Dan Bernstein, la propagande ne diffère guère de ce qu'on trouvait dans d'autres délégations. Il y avait un Suédois.
They're very repetitive. C'était très répétitif. They come back with the same stories. Ils répétaient les mêmes histoires. And of course, it's in complete opposite of what the refugees say. Et bien sûr, c'était aux antipodes des récits des réfugiés. C'était quelque chose de standard. I believe Mr. Burst. Well, anyway, that's enough. Voilà, j'en resterai là. Je voudrais revenir juste sur le contexte de votre invitation. The issue of the context of your invitation in December 1978. Do you also recall whether during that period the Vietnamese had also invited foreign journalists to visit the front line to see what was happening? If I remember correctly, si mes souvenirs sont bons, and that's not something I prepared for, et je ne I believe this is the same time je that que c'était Nyanchanda, cette fois-là que Tiziano Terpsani, Tiziano Terpsanis, more or less the same time. I know. Je crois que c'était plus ou moins à la même époque. There were. I'm not sure if this is je crois before que c'est or after plus ou moins trip, en même temps que ces gens-là sont allés sur place, soit un peu avant, soit après, mais à la même époque. Aussi, yeah, un journaliste du Monde, dont l'interprète n'a pas saisi le nom. Donc, effectivement, il semble qu'il y ait des deux côtés une volonté de communiquer, on va dire. Peut-être une volonté d'ouverture. Vous avez dit que le secrétaire général de l'époque, la Commission de l'ONU, M. Kurt Waldheim, The UN Secretary General, Mr. Kurt Waldheim, had been invited. J'avais noté également que vous avez fait mention I also que noted des projets de you made d'ouverture au tourisme éventuellement étaient aussi à l'ordre du jour. Policy to open up et que for touristic purposes, that was also on the agenda. Tourisme, some Thaïlandais Thai tourism agencies were invited to visit Angkor for short periods of time. There were projects of that nature. Do you recall such projects? All I remember is talk of the projects. Je me souviens seulement qu'on a parlé des projets. Tourists. Je n'ai pas vu de touristes. Alors, toujours concernant le contexte dans lequel still vous avez effectué cette the visite, of your visits, contexte, on va dire, côté américain, that is a context from the American point of view. Il semble quand même que les conséquences de la guerre du Vietnam étaient extrêmement importantes pour l'opinion publique américaine. Vietnam War were extremely important for the American public opinion. And there were perhaps too many manifestations of interest regarding what was happening in Southeast Asia at the time. Can you tell us how American public opinion reacted to any information that was transpiring from Democratic Cambodia at the time? Before the invasion? Avant l'invasion? Oui, avant votre voyage. Okay. Yes, that is prior to your visit. Okay. At the time when you visited Cambodia, Democratic Cambodia. Well, in context, the Vietnam War was the first American defeat. La guerre du Vietnam était la première défaite américaine. It was not a topic of conversation. Ce n'était donc pas un sujet de conversation. In the United States, public opinion was largely concerned about the refugees from Vietnam or face des réfugiés du Vietnam et dans une moindre mesure du Cambodge. There was the beginning of an understanding that something strange was going on in Cambodia. Quelque chose d'étrange se passait au Cambodge. The Cambodians who were resettled were mais les Cambodgiens having qui étaient the usual réinstallés struggles of refugees, connaissaient les difficultés habituelles des réfugiés, des migrants. Ils devaient s'installer. Larger, stronger. So Cambodia wasn't much on the radar. La communauté vietnamienne était bien plus grande. Et donc, c'est à l'exception des autorités de Washington, on pensait peu aux Cambodgiens. Et à Washington, dans les médias officiels, l'administration du président Jimmy Carter concerned about, obviously, the Sino-Soviet split, s'inquiétait moving towards the Chinese side,
du fait que l'Union soviétique se divisait, on penchait vers la Chine, souvenez-vous, juste avant l'invasion, le Vietnam a signé un traité d'amitié avec l'Union soviétique. At that time, both the Vietnamese and Democratic Cambodia were visiting the different des capitals Vietnamiens of ASEAN, et des gens du Comité démocratique sont allés dans les différentes capitales de l'ASEAN pour mobiliser des soutiens. Donc, il s'agissait de savoir qui allait s'allier avec qui. C'était ça l'ambiance de l'époque. Sans aucun doute, les États-Unis penchaient vers la Chine, mais le problème, c'était que le Conseil démocratique était l'allié des Chinois et des États-Unis, simultanément créer cet énorme dossier sur la violation des droits de l'homme au Conseil démocratique. Donc les décideurs ne savaient pas quoi faire. Un exemple qui est juste... The State Department had le département d'État, d'ailleurs, avait un bureau spécial pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge, et le surnom, c'était le bureau des causes très perdues, Very Lost Causes, pour vous dire à quel point c'était source de confusion pour les États-Unis. Alors, nous avons au dossier un document now we have qui porte on la cote record E3 a document with the reference number E3/23. Il s'agit d'un rapport qui avait été préparé à la demande de la sous-commission sur l'Asie et le Pacifique pour la Commission des relations internationales par le service International Relations Commission et ce document date du 4 octobre 1978, donc c'est juste avant votre voyage, et à un moment où your visit. On ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer, it wasn't clear how the situation was comment going va to évoluer unfold, le conflit entre le Vietnam et le Cambodge. The between on a quand même bien perçu Vietnam à ce moment-là que l'administration américaine a US extrêmement sérieux government had felt that there was a serious and important conflict between these two countries. Were you aware of that report? That report which was established for the Congress. Yes, and I knew oui. The committee members and, je connaissais les membres du comité. They knew it was a very, very et serious eux savaient issue, yes. Que le problème était très grave, effectivement. Peut-être aussi ce qui ressort de ce rapport, perhaps c'est que what we gather from that report c'est le point 9 de des conclusions point où il est dit ceci. The findings. La réaction des autres nations face à la guerre a pris la forme d'une répugnance universelle à s'impliquer. Elles appellent toutes une solution négociée de leur côté, mais aucune ne semble vouloir diriger la médiation de crainte de se retrouver empêtrée. Cette répugnance progressera probablement à mesure que le conflit perdurera. Should the conflict persist. Donc, cette répugnance à vouloir s'impliquer dans les affaires du Cambodge, c'est quelque chose aussi get involved que vous aviez in ressenti. Cambodian affairs, is that something that you also felt? Yes, oui. I cannot exaggerate the feeling in the United States je ne saurais exagérer le sentiment qui prévalait au Vietnam, aux États-Unis après la défaite au Vietnam. Personne ne voulait s'impliquer au Cambodge ou au Vietnam. Pour ce qui est du Cambodge lui-même, souvenez-vous que le sénateur McGovern, me semble-t-il, a pris la parole au Sénat to suggest et là, sending in troops, il a proposé d'envoyer des troupes, sort of intervention in ou en tout cas, to stop il a proposé une intervention au Cambodge violations. Pour mettre un terme aux violations and des droits de l'homme. He was ridiculed because il he a was été tourné en ridicule the US out of Vietnam, parce que c'était lui qui avait voulu que les États-Unis se retirent du Vietnam. He said he knew he would be ridiculed, il a dit qu'il savait qu'on le tournerait en dérision, mais qu'il voulait affirmer qu'il y avait de graves problèmes de violation des droits de l'homme et qu'une intervention était dès lors peut-être nécessaire. C'était un argument, il y a eu un débat très sérieux. Voilà tout ce dont je me souviens.
Donc, President, the time is appropriate for a short break. Le moment est venu d'observer une courte pause. Les débats reprendront à 10h30. And court officer, please assist the expert during the break. Pendant la pause. And have her return to veuillez the la ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 10h30. Suspension de l'audience.